TV est une web TV qui a été fondée il y a de cela 3 ans par Larsen Ramouche. C'était au lendemain des attentats de Bruxelles. Il était important de pouvoir s'interroger sur le vivre ensemble à un moment où il y avait une sorte de méfiance entre communautés. Ensuite, et cela depuis quelques mois maintenant, eh bien, Almouatine TV s'est transformée en Almouatine Bruxelles Média, une plateforme, un véritable hub qui accueille d'autres associations qui ont des besoins d'infrastructures pour pouvoir s'organiser en termes de studios, de salles de réunion, de coworking, de conférences. Et nous avons l'ambition d'attirer effectivement ceux qui, comme nous, prônent le vivre ensemble dans une société qui en a véritablement bien besoin. Je pense qu'il est nécessaire d'encourager les entrepreneurs, les personnes, les jeunes qui ont des projets, qui sont porteurs d'idées à développer ces projets. Et nous sommes vraiment fiers ici ensemble, en tant que partenaires, de lever ce défi et de faire ce projet ici dans les locaux de Almouatine Bruxelles Média. On rencontre ici plein de personnes d'horizons divers et on échange sur nos cultures, sur nos ambitions, sur nos projets. Et ces échanges et ce networking nous permettent vraiment de s'enrichir mutuellement. Je vous invite donc à prendre contact avec les responsables d'Almouatine TV si vous avez envie d'organiser des conférences, d'animer des émissions de télévision, pouvoir aussi lancer des messages, des appels. C'est un endroit qui est vraiment fait pour vous. Communiquer pour mieux se faire comprendre, communiquer pour mieux échanger les valeurs communes, communiquer pour mieux s'entendre, pour mieux vivre ensemble. C'est un endroit que je peux conseiller à gens de venir. On ne peut que s'enrichir avec des gens très intéressants et des rencontres diversifiées. Bien ici, c'est une surprise en fait. C'est une rencontre chaque fois dans un autre domaine et avec de beaux projets. Via les cours d'arabe, on voudrait présenter cette langue-là magnifique d'une autre manière, autrement que présenter dans les endroits classiques. La langue arabe ici, c'est pour favoriser et le vivre ensemble et présenter les cours de la langue arabe d'une manière à ce que les jeunes connaissent ou s'ouvre sur la culture arabe et aussi pour ce rapprochement de toutes ces communautés qui font la diversité en Belgique. Almouatine Radio, c'est vraiment le vrai journalisme en fait. Ça représente vraiment le journalisme. J'ai pas de mots à dire. Il n'y a pas de manipulation non plus. Il n'y a pas quelque chose de stratégique caché derrière non plus, c'est ça, c'est du journalisme. Et franchement, oui, ça m'a inspirée et j'aimerais prendre ce chemin-là. Merci Bruxelles Média de nous accueillir dans un projet de diversification sociale. Franchement, c'est très nourrissant, venez nombreux. Moi, c'est une première expérience et je reviendrai avec assiduité. Merci Bruxelles Média.